D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que tout très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo pack opening. Je vous prépare bientôt d'ailleurs deux autres vidéos. Également, avec mon or, on va augmenter des cartes. Et aussi une vidéo sur ce fameux défi de la Coupe du Roi qui finit bientôt. Donc il faut que je le fasse, il faut vraiment que j'avance. Donc là, je suis encore un petit peu loin, mais il faut vraiment que j'avance dans ce défi-là. Donc on le fera sûrement en vidéo et peut-être un petit peu en live. Donc voilà, il y aura une vidéo sur ça. Bref, du coup, aujourd'hui, pack opening. D'ailleurs, attendez, j'ai pas mal de choses là, tiens. Bon, coffre gratuit, pardon. C'est parti. Deux cartes, dommage. 94 d'or. Un mini PK. Et 12 esprits de glace. Ok. Donc là, on a 5 petits trucs en plus. Bientôt un coffre géant, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Remporter l'événement 10 fois pour avoir 20 gemmes. Ah ouais, ça commence à faire. Ça commence à faire. Bref, donc du coup, on va s'ouvrir les coffres. Alors, on va s'ouvrir les petits coffres. J'ai un coffre épique, j'ai un coffre à couronne. Donc voilà. On va faire coffre en argent. 82 d'or. Un extracteur. 12 gobelins. Ok. Collectionner des cartes, ouais. 67 d'or. Un extracteur. 12 barbares d'élite. Ok, ça c'est cool. Barbares d'élite, ça c'est cool. On va faire le coffre à couronne. On va attaquer. Après, on va faire quelques attaques. On va faire quelques attaques dans le défi. Comme ça, on va un petit peu avancer. Ça nous avancera pour la prochaine vidéo. 205 d'or. 9 mortiers. 10 chauves-souris. 18 gobelins. Et 4 golems de glace. Ok. Donc, ouais, c'est bien. J'ai une petite quête pour collectionner avec des cartes. Il m'en faut 500 et je gagnerai 50 cartes. Communes, je pense. Hein. Je vais gagner des cartes communes. Hein. Ça m'étonnerait que je gagne des cartes. Ou bon, on verra. On verra la récompense des cartes. Si je peux, je vous le ferai en vidéo. Si j'arrive à débloquer ce défi, enfin cette quête en vidéo. Là, on va faire le coffre couronne, puis après le coffre épique, parce que le coffre épique, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, allez, pourquoi pas l'ouvrir en vidéo. Donc là, 600 d'or quasiment, 3 gemmes, 16 bombardiers, 26 esprits de feu, 32 flèches, ok, 8 roquettes, ça marche. Allez, coffre épique, c'est parti. 3 tornades, donc je crois qu'on en a 20 en tout, ou 10 ou 20, 20 je crois, ouais 20, 3 foudres, 6 feux gobelins, ça c'est cool, et du coup il en reste pas beaucoup, il en reste ouais, 5 ou 6, pas plus, 8, ah ouais non, il en restait quand même 8, et c'est pour le beau liste. Bon, après je peux le passer niveau 6, pour le passer niveau 7, il faut avoir 100 cartes, j'en ai pour l'instant ben, 67, donc j'ai encore un petit peu de temps, mais ça reste intéressant. Ça reste quand même pas mal, ouais. C'est plutôt cool. Donc là, on va se faire ça. Allez, c'est parti. On va essayer d'arriver à... C'est les couronnes qui comptent. Donc je peux arriver à 9 couronnes avec une attaque. Avec 2 attaques, je peux arriver à 10 couronnes. Donc on va essayer. Hein. On va essayer. Déjà, une couronne, c'est pas mal. On a un petit peu d'or. Mais après, si on peut avoir plus que ça, ça serait plutôt cool. Ok, le petit zap. Le petit zap qui a été un petit peu violent, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le golem de glace, là à droite, faut que je fasse attention, faut mettre le dragon de l'enfer. Donc j'ai fait pas mal de dégâts à droite, lui il a fait un petit peu de dégâts à gauche, quand même relativement pas mal de dégâts, quand même 500 de dégâts. Moi j'en ai fait 500 plus 300, 800, un peu plus de 800 de dégâts. Là on va se mettre, bon on va attendre, on va économiser les élixirs là. Donc on est contre Kerim. Ok, charrette à canon. Oh, ça joue le zappi. Ça joue le zappi. Mince. Le zappi a mis un coup, dommage. Donc là, j'économise l'élixir. On va mettre... Le petit gobelin juste comme ça pour voir ce qu'il fait, parce que là je sais pas trop ce qu'il fait, je sais pas trop ce qu'il a comme carte. Donc on va, ouais, ok. On va mettre. Ah, c'est chaud là, parce que il a le chevaucheur de cochon, donc du coup il a des facilités, enfin il a plus de facilités comparé à moi parce qu'il a des cartes. Qui sont rapides alors que moi elles sont assez lentes toutes. Dragon d'enfer, mineur et pas très rapide non plus. Donc c'est assez chaud de.
Oh, par contre, à gauche, j'ai pas vu là. Et le canon que j'ai mis là, il fait des dégâts. Il va avoir la tour là, il va avoir la tour. La tour qui tombe, il reste 50 secondes. C'est bon, j'ai la tour. Un partout. Légalisation vraiment rapide. On va mettre ça ici, tiens. Parce que, en fait, la charrette à canon, c'est. Si c'est pas défendu, c'est quand même pas mal. Comme vous voyez là, c'est pas mal. Hop là, on prépare. Oh, j'ai mis trop tôt le zap, c'est pas grave, parce qu'il y avait des petits gobelins, mais bon. C'est quand même dommage d'avoir mis trop tôt le zap. Du coup, là, je pense qu'on est parti sur un 2-0, j'espère. Enfin, 2-0, 1-2-1. 1-2-1. Ah, c'est chaud, là, en fait. C'est chaud, ouais, non, c'est bon. C'est bon. Hop là, on finit avec le mineur. Donc là, nous, ça nous fait deux couronnes, ça, c'est cool. Et puis, il nous en faudrait trois pour avoir, pour finir l'entraînement. Parce que, ouais, je suis qu'à l'entraînement, j'ai pas eu beaucoup de temps, cette semaine. Du coup, je suis qu'à l'entraînement. Ok, allez. Deux couronnes en plus. Et on arrive du coup. 8 couronnes. 500, ah, c'était que 500 d'or. Je crois que c'était plus d'or que ça. Et après, on a que 5 gemmes. Ah non, il nous faut que 2 couronnes. Bon, allez, on va attaquer. On espère avoir 2 couronnes. Au minimum, ça serait cool. Allez, practice. En plus, on a un practice. Quoi. On est même pas dans. On est juste dans le camp d'entraînement. Bref. Enfin, dans le camp d'entraînement. Dans le. Au niveau d'entraînement, bref, on est au niveau d'entraînement, comme vous avez vu déjà. Dans la King's Cup, je crois que ça s'appelle la King's Cup, si je dis pas de bêtises. Là, on va se mettre bûcheron. Non! Bon, le bûcheron qui passe. Mince, là j'aurais mis le zap 2 secondes après l'esprit de glace aurait pas fait beaucoup de dégâts. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, je suis devant au niveau des points de vie. J'ai fait plus de dégâts que lui, mais bon, c'est quand même serré encore. Donc là, on va se mettre le. Bon, j'hésite à mettre le chevaucheur à droite pour compenser pour être sûr de faire de couronne. Mais bon, après, c'est risqué. C'est risqué, mais on va tenter. Donc là, méga garouille plus le chevaucheur. Allez, au moins 2 coups. Ouais, c'est bon. 3 coups peut-être. Yes. 3 coups, c'est pas mal. 3 coups, c'est pas mal. Yes. Yes. Bon, ouais, même ça, il faut que j'assure les 2 couronnes. Ça, c'est le plus dur. Parce qu'en plus, il reste minuit 30. Ça va être chaud d'assurer les 2 couronnes. On va mettre le mini. On va mettre la boule de feu là. Hein. Ah mince, bon, c'est pas grave. Il fait pas mal de dégâts là quand même. Là, on va mettre bûcheron. Hop là, hop là. Ah mince, 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 mince. Oh, à droite, c'est pas mal. Enfin, à droite, c'est pas mal. Bon, à gauche, il est en train de prendre ma tour. Il est en train de prendre ma tour à gauche. Ouais, il a ma tour en fait. J'ai même pas défendu. J'ai pas assez d'élixir. J'ai pas assez d'élixir. Allez, chevaucheur, on compte sur toi. On compte sur toi. Ah, il a mis qu'un coup. Pas suffisant. Mais ouais, là, il reste 20 secondes, ça va être chaud. Ça va être chaud si j'arrive à revenir. Si j'arrive à revenir et à égaliser, mais ça va être ouais, boule de feu. J'ai même pas de mineur. J'ai même pas de mineur. Allez, allez, le zap. Non, le zap va pas suffire, je pense pas. Est-ce que le zap suffit? Non. Dommage, il restait 5 points de vie là. Dommage, dommage pour cette game. Bon, après, de toute façon, j'aurais eu une couronne. Ça aurait pas suffi. Mais là, j'en ai 0. Bon. Ça n'aurait pas suffi pour avoir les 5 gemmes, enfin en tout cas finir le mode d'entraînement, mais je le ferai quand même pour arriver au niveau du défi, puis après arriver au niveau du défi élite. Donc voilà. Donc en plus tout est gratuit, donc ça c'est cool. J'ai une carte. Hop là.
Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao, ciao.